Bonjour, bonjour tous les amis de cette petite chaîne de réinformation. Avant de commencer l'entretien avec Slobodan Despot, je voudrais vous fournir quelques petites informations. Donc, euh, tout d'abord, euh, nous avons décidé, j'ai décidé de séparer un peu les choses désormais dans les vidéos, c'est-à-dire qu'il y aura le travail de réinformation sur les questions militaires, celui que je menais auparavant avec Sylvain Ferreira et que je mène maintenant avec Hervé Carès. Il y aura une vidéo cette semaine qui sera probablement publiée vendredi matin. Euh, J'ai souhaité euh, compléter cette information militaire euh, avec euh, des regards, avec des appréciations, avec un travail de réinformation par des entretiens menés avec des observateurs qui ont des compétences particulières. Ça s'est passé avec Jacques Sapir, ça se passera euh, tout à l'heure avec euh, Slobodan Despot. Et donc, euh, je crois que ce sera intéressant de poursuivre de cette façon-là et de compléter ainsi euh, ce travail et cette réflexion sur les questions militaires. Parce que la réinformation, compte tenu de la propagande qu'on entend... En France est indispensable mais l'analyse globale de ce qui est en train de se passer dans le monde euh, malheureusement l'information française est également indigente et euh, il peut être intéressant de considérer que là aussi sur ce terrain là il y a besoin d'une réinformation petit détail technique euh, j'ai levé le doigt pendant, pour prendre la parole <laughs> pendant l'entretien et euh, ben vous verrez que ça a déclenché euh, une espèce de zoom de la caméra, qui paraît-il est intelligente. Donc le fait de lever le doigt déclenche le zoom. Alors on va me voir en gros plan pendant un petit moment. Euh, J'ai compris que c'était le fait de lever le doigt, mais je ne sais toujours pas comment on l'arrête. Ça s'est arrangé. Hein Donc euh, euh, surtout, soyez indulgents. En ce qui concerne... Euh, le soutien, ben, il faut continuer. Hein, il y a, chacun sait aujourd'hui et maintenant la façon de, de, de nous soutenir moralement, matériellement, techniquement, avec les likes, avec les partages, avec les commentaires, avec les abonnements. Euh, également, euh, je mets dans la description euh, en général les sites des gens qui travaillent avec nous, qui acceptent de venir. Hein, vous trouverez donc, euh, euh, bien évidemment, le compte Twitter d'Hervé Carès. Je crois qu'il faut s'y abonner, d'abord parce que c'est très intéressant et puis souvent très amusant. Hein, et on en parlera avec lui vendredi. Et euh, également euh, de vous intéresser au site. De Slobodan Despot qui s'appelle Antipresse. C'est un site de réinformation absolument remarquable. Donc, vous trouverez tout ça dans les liens qui seront dans la description. Voilà. et eh bien, écoutez, bon visionnage et nous poursuivons. <coughs> Bonjour Slobodan. Oui. Bonjour Slobodan Despot. Bonjour Régis de Castelnau. Voilà, alors je ne sais pas si c'est nécessaire de présenter, de présenter Slovodan. Il a plusieurs, plusieurs caractéristiques pour moi. D'abord, c'est un ami. Euh, deuxièmement, euh, il est euh, suisse. Euh, troisièmement, écrivain. Hein, comme Bruno Le Maire, il publie Dans la Blanche de Gallimard. Merci, merci. Je pense merci pas pour que la ce bonne soit compagnie. le compagnonnage <coughs> qu'il préfère. Euh, il est également euh, éditeur et euh, il est d'origine serbe. Il est suisse d'origine serbe, suisse comme Jacques Beau, euh, et d'origine serbe. Il a une connaissance approfondie, bien évidemment de la Serbie, de son histoire et euh, une connaissance également approfondie de la Russie où il fait des séjours assez importants et nombreux, je crois, euh, tous les ans. Et donc, euh, il a sur ce qui est en train de se produire un regard euh, tout à fait euh, intéressant et je croyais euh, utile d'en de, euh, faire profiter ceux qui nous font l'amitié, de nous être fidèles et de suivre cette chaîne de réinformation, j'insiste à chaque fois. Alors, euh, Slobodan, je, je, complète, je... je complète juste un, d'une ligne cette, cette flatteuse présentation. C'est que euh, l'essentiel de mon temps actuellement est accaparé par euh, la rédaction et la publication de notre revue hebdomadaire, l'Antipresse. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, j'oubliais ça. Oui. Et c est, c est, je crois que c'est important. C'est en fait, en fait le, le, la dissidence, le samizdat. Hein, euh, donc, euh, qui, qui euh, s'exprime par euh, un certain nombre de canaux et l'antipresse euh, en, en, en est un et je crois important. Donc, euh, j'ai souhaité, euh, et je vous présente un peu le programme de ce dont nous, nous allons discuter, euh, j'ai souhaité que Slobodan revienne sur ce qui s'est passé en Serbie avec l'agression de l'OTAN, l'agression de l'OTAN contre la Serbie, le bombardement de Belgrade, le détachement du Kosovo euh, parce que je pense, je crois que on peut considérer que c'est le premier crime, le premier crime de guerre, le premier crime contre la paix. Moi, je suis juriste et là je parle des catégories juridiques qui sont issues de Nuremberg. C'est le premier crime contre la paix qui a été perpétré par les États-Unis, l'OTAN et les pays qui euh, les ont suivis. Euh, premier crime après la chute et la dislocation de l'Union soviétique. Auparavant, les Américains en avaient fait pas mal, entre la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, inter les interventions dans différents endroits, les coups d'État euh, diligentés dans, en Amérique latine, euh, l'opération Condor, etc. Mais là, c'était la première violation grossière, évidente, sans aucun complexe de la souveraineté d'un pays, la violation du droit international issu de 1945. Donc, euh, je crois que c'était important de revenir sur ce, sur ce précédent qui a encore des conséquences aujourd'hui euh, en ce qui concerne les événements en Serbie et bien sûr au Kosovo, parce que je suis de ceux qui considèrent que le so Kosovo fait toujours partie de la Serbie. Et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine euh, est aussi une des conséquences de ce qui a été fait à cette époque. Et je pense que euh, l'intervention militaire russe en Ukraine a été finalement le, le facteur déclenchant d'un processus qui est en train de mettre en cause cet hégémon des crimes. Il y en a eu bien d'autres après celui de euh, la Serbie. Donc, si ça t'ennuie pas, Slobodan, de revenir un petit peu sur ce qui s'est produit euh, il y a maintenant près de 25 ans. Ça ne m'ennuie de loin pas et c'est d'autant plus important que je crois qu'on ne peut pas comprendre les événements actuels si on n'a pas un œil euh, sur euh, ce précédent, ce précédent qui était la destruction de, du pays où je suis né, la Yougoslavie, et qui n'est pas seulement un précédent mais un prototype en quelque sorte, parce qu'on a mis en place un mécanisme euh, qui va aboutir au fil du temps à... Bon, euh, par des étapes successives qui, seront, euh, en, euh, qui vont aller en Irak, qui vont, qui vont aboutir à la destruction de la Libye, mais qui va, qui va donc euh, se terminer, ou en tout cas avoir une étape importante, avec cette guerre actuelle en, en, en Ukraine. Je reviens sur une date importante. 1991, faisons un parallèle, c'est la, 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 la date où, euh, c'est l'année où les, les États composants. Les, les, les républiques composant l'URSS euh, prennent leur indépendance. C'est l'année de l'indépendance notamment de l'Ukraine par rapport à l'URSS. Mais c'est aussi l'année où la Yougoslavie se disloque, en commençant par euh, la, la, la sécession unilatérale des républiques du Nord de la Slovénie et de l'Allemagne, appuyée dans cette initiative par euh, l'Europe centrale, par l'Allemagne, par l'Autriche. Tout un, tout un axe il y avait effectivement un axe euh, le centre européen et justement <laughs> dont dont l'un des éléments c'est justement le Vatican et cette sécession va se faire de manière totalement violente et illégale sachant qu'à la différence de l'Union européenne euh, la fédération de Yougoslavie qui était aussi une une constellation de de peuples et de et de d'entités de, étatiques assez assez euh, décentralisées la, donc, la Fédération Yougoslavie avait un processus de dissociation qui était prévu dans la Constitution, mais qui, qui supposait un référendum, un consensus de tout le monde pour que l'une des parties puisse partir. Alors, à l'époque, il est clair que les puissances occidentales étaient pressées. Il n'était pas question d'engager de, un processus constitutionnel qui pouvait, gar, gar, qui pouvait durer des années et qui pouvait aussi se solder par un non. Et donc, on a forcé la main on a, on a déclenché une guerre. Et comme on avait à l'époque une maîtrise absolue et totale, sans partage de tous les moyens d'information, on a euh, fait porter la responsabilité du déclenchement de cette guerre sur la partie qu'on a voulu, disons, euh, léser, qui était la, la partie, disons, serbe ou, ou pro-Yougoslave. C'était le bloc de ceux qui ne voulaient pas de la dislocation de la Yougoslavie. Euh, je pense, ayant beaucoup voyagé dans ce pays où je suis né, le connaissant bien, je pense qu'au moment où la Yougoslavie a éclaté, si l'on avait demandé à une majorité de la population de cet ensemble de 25 millions d'habitants d'Européens, si, si on avait organisé un référendum à l'échelle de la Yougoslavie, les gens n'auraient pas voulu que ce disloque. La majorité était contente d'être en Yougoslavie. Bon. Ne serait-ce que parce qu'il y avait un championnat de foot qui était de très haute qualité, tandis que maintenant, on a des ligues, des ligues de foot où Étoile Rouge joue contre elle-même, n'est-ce pas Ou contre un, un village de Serbie. C'est ridicule. Donc la, la Yougoslavie c'était un vrai État. Ce qui a suivi, c'est des petites, des petites principautés. Bref. Euh, donc euh, en 91 la Yougoslavie éclate. Les Serbes, pour, pour diverses raisons, mais pr principalement parce qu'ils sont éparpillés ethniquement euh, aux quatre coins de la Yougoslavie, ne veulent pas de cet éclatement. Une guerre civile éclate. En 94, euh, euh, on va 95, on va avoir l'expulsion de tous les Serbes de la Krajina Opération Tempête. Et épuration ethnique complète de la Kraïna, donc Kraïna, retenez ce nom, qui est aujourd'hui une zone, c'est une zone tampon historiquement entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, qui se trouve entre la Croatie actuelle et la Bosnie-Herzégovine actuelle euh, dans cette région des, des Balkans. Et cette Kraïna était peuplée de Serbes, pour. Des raisons historiques dans lesquelles on ne va pas remonter jusqu'au jusqu XVe siècle, mais enfin grosso modo, c'est parce que les Serbes étaient des gardiens de frontières, des gardes frontières. Euh, cette, cette, cette région est complètement nettoyée, personne ne va répondre de ce crime, mais c'est un très gros crime de crime de guerre, un crime contre l'humanité, et donc elle fait partie aujourd'hui. C'est un paysage, c'est un, une région relativement peu prospère, pour ne pas dire désertique, qui fait aujourd'hui partie. Eh bien, de la Croatie, état euh, membre de l'Union européenne. Euh, en Cela se passe l'été 95. C'est à cela d'ailleurs que j'ai consacré mon, mon premier roman qui, qui s'intitule Le miel. Euh, parce que personne n'a, je ne dis pas, compris ce qui s'était passé cet été-là en Yougoslavie. Mais on ne l'a même pas remarqué. Alors qu'il s'agit du destin de 250 000 personnes, en gros, et avec 10 ou 20 000 disparus. Bref. Euh, ce qui arrive à ce moment-là, c'est quelque chose qui se produit avec la, le plein assentiment, le plein appui des Allemands, mais aussi un appui non seulement politique mais effectif, opérationnel des Américains. On sait que des, euh, des armées privées américaines, cash sex pour tout simplement le Pentagone, ont participé à l'effacement à au nettoyage ethnique de la Kraïna, de manière active. Euh, cela ne suffit pas. Les Américains ont encore besoin du, du Kosovo, et ils ont besoin de consolider en Europe une plateforme qui est leur protégée, qui est celle du, du, de l'islamisme européen, qui n'existait pas sur le sol d'Europe avant que la Bosnie-Herzégovine prenne son indépendance sous... Euh, la houlette d'un gouvernement euh, présidé par un fondamentaliste pur et dur qui s'appelait Alia Begovic dans les années 90. Et là, avant d'arriver à l'événement culminant qui, qui est le bombardement de la Yougoslavie et le détachement subséquent euh, du Kosovo, violent donc, il faut mentionner une chose, et qui est très importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine c'est que euh, la guerre civile, donc le, le, la sécession euh, croate et slovène, avait commencé en 1991, et jusque-là, les Américains ne s'étaient pas mêlés de l'affaire. C'était une affaire allemande. Ils avaient laissé, ils avaient laissé cela à leurs sous-traitants allemands en Europe. Mais lorsque la, le conflit s'est étendu, ou les tensions se sont étendues à la Bosnie-Herzégovine, où il y avait trois communautés euh, en conflit, les Croates, les Serbes et les musulmans, les musulmans de Bosnie, qui sont aussi des Slaves, mais enfin qui sont dans la, dans la Yougoslavie de l'époque, déterminés par leur appartenance culturelle ou religieuse. Euh, au moment où, où, où le facteur islamique entre en jeu, les Américains entrent en jeu. Et écoutez bien ceci, c'est extrêmement important parce que ça va tout de suite vous rappeler un épisode bien précis du conflit ukrainien. Au printemps 92, l'Union européenne qui ne veut pas d'une guerre civile qui s'étend, qui s'enflamme dans, 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 en Europe, l'Union européenne, qui était, je crois encore, la, la communauté européenne à l'époque, organise, des pour parler de paix, à Lisbonne, sous l'égide d'un diplomate portugais, qui s'appelait Coutillero, qui obtient un traité de dissociation ou de décentralisation pacifique de la Bosnie-Herzégovine entre les trois communautés qui se voient chacune attribuer un territoire. À peine ce traité est-il signé, à peine les signataires sont-ils rentrés chez eux, que l'ambassadeur des États-Unis en Yougoslavie à l'époque, M. Warren Zimmerman, appelle le président bosniaque fondamentaliste Izetbegovic et lui dit ⁇ Mais pourquoi vous avez signé ça ?⁇ Vous vous contentez de votre petit tiers de Bosnie ?⁇ Nous, on vous propose la Bosnie entière. Alors, et Izetbegovic lui dit ⁇ Mais j'ai signé ⁇ Mais ce n'est qu'un torchon de papier ⁇ vous revenez sur votre signature, vous prenez tout, nous vous soutiendrons, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui s'est produit. La guerre a commencé à partir du moment où la partie musulmane, appuyée par les États-Unis, a renié sa signature sur un accord de paix patronné par l'Union européenne. À quoi cela vous fait-il penser Aux accords de Minsk. C'est ce qui s'est produit avec les accords de Minsk. C'est ce qui s'est produit encore. Euh, euh, donc, on a signé des, des papiers, mais ce n'était qu'une qu mesure, mesure dilatoire pour permettre à, à l'Ukraine de s'armer, de s'équiper afin euh, de prendre euh, militairement le, les, les deux républiques euh, euh, insurgées du, du Donbass. Mais c'est aussi ce qui s'est produit en mars 2022, mais je pense qu'on y reviendra, avec euh, l'arrêt la, des pourparlers de paix qui était, était organisés à Istanbul par la partie euh, ukrainienne. Mais comme je pense qu'on va, on va en reparler parce que c est, c est, c est, cet accord de paix est revenu dans l'actualité puisque M. Poutine l'a montré l'autre jour à, à Pétersbourg, je laisse ça de côté. Mais il y a donc un modèle, il y a donc un modèle prédéfini de gestion des crises européennes par euh, la puissance américaine. Et cette gestion des crises européennes consiste, et je ne caricature même pas, à exacerber autant que possible des, complis, des conflits qui sont de nature politique ou diplomatique pour les faire monter jusqu'au niveau militaire. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça c'est la première étape. L'étape euh, finale, euh, on le sait, ça va être le bombardement de la Serbie en 1999. Puis... Suite à ce, dans la suite de ce bombardement, le renversement du pouvoir de Belgrade de Milošević une année plus tard. Mais regardez bien ceci. À l'issue de la guerre de Bosnie, comme personne personne n'a été en mesure de l'emporter de manière décisive et que les Serbes les Serbes avaient une dominance militaire et territoriale assez nette, mais politiquement ils étaient complètement isolés. Ils étaient même isolés à ce moment-là par Belgrade qui n'avait pas le choix, qui était prise à la gorge. Donc les Serbes de Bosnie. Donc on organise des pour parler de de paix, mais qui ne sont plus cette fois-ci sous l'égide de l'Union européenne, comme en 1992, c'est pour parler de Dayton aux États-Unis, qui sont entièrement patronnés par les Américains. À Dayton, de nouveau, finalement, on revient à une solution qui est proche de celle de 1992, mais avec 100 000 ou 150 000 victimes euh, de plus. C'est-à-dire qu'on on, on va, on va maintenir un État bosniaque avec un gouvernement central, mais, mais avec des communautés, enfin, avec des, des entités décentralisé. Le traité de Dayton garantit une certaine autonomie à ces en, entités. Une fois que le traité est signé, remarquons une chose, les Américains et à leur suite leurs satellites européens n'auront de cesse de revenir sur leurs engagements du traité de Dayton et d'essayer de recentraliser la Bosnie au profit de l'entité musulmano-croate, puisque les Serbes n'obéissent pas, ils ne font pas ce qu'on leur demande. Mais ça, c'est un processus euh, qui d'ailleurs se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ce, ce qui se passe ensuite, c'est qu'une fois que la Bosnie est à peu près apaisée, le foyer de conflit se déplace au Kosovo. Jusqu'en 1998, l'organisation albanaise terroriste tcheka est listée par le département d'État américain comme dans, elle figure dans la liste des organisations terroristes mondiales. En 1998, les Américains, pour cause, retirent l'Ucheka albanaise de la liste des organisations terroristes. Pourquoi Parce qu'ils vont commencer à la soutenir, à fomenter, en la soutenant, une insurrection armée au Kosovo, et accuser, puisque, je le rappelle, ils ont un contrôle total de la narration euh, médiatique, accuser la Serbie de commettre un génocide au moment où la Serbie utilise ses forces armées, essentiellement la police d'ailleurs, pour mater la rébellion des terroristes. Mais lorsque la Serbie combat des terroristes, on va dire qu'elle qu qu assassine de pauvres civils innocents. C'est ce qui va se produire lors de ce fameux massacre pseudo, massacre euh, en tout cas qui a été fort bien arrangé. Euh, de Ratchak au début 99, où les Occidentaux vont affirmer que les, les Serbes ont exécuté sommairement des, des civils dans un village. Paradoxalement, les Serbes qui savaient, Belgrade qui savait qu'on la, qu 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 voulait l'accuser de toutes sortes de choses, avaient même emmené des journalistes pour voir comment ces troupes spéciales euh, combattaient des terroristes armés. Mais il y avait là un spécialiste de la CIA. Des, des coups fourrés, euh, je ne me rappelle plus son nom, mais enfin, il, était, il, était, il était très connu, et qui va arranger cette chose et qui va surtout indiquer aux journalistes occidentaux ce qu'il faut dire. Alors voilà, ces gens ne sont pas des terroristes, ce sont des, mais des pauvres civils et il faut punir la Serbie, il faut l'empêcher de génocider les Albanais. On va organiser donc de nouveau une conférence plus ou moins pipée, mais cette fois rembouillée, printemps 92, et. Euh, ce sera un piège. Ce sera un, ce sera un piège tendu à la, à, à la Serbie, à Belgrade, à Milosevic, pour lui imposer des conditions de paix qu'il ne peut pas ac accepter. Donc, c'est soit il accepte ces conditions de paix et de fait la Serbie devient un territoire sous un protectorat otanien, Donc, avec notamment dans, dans une, une des annexes confidentielles de ce traité. Le droit pour l'OTAN de déployer ses troupes sur le territoire de la Serbie, sur tout le territoire de la Serbie. Soit la Serbie va refuser, à ce moment-là, on va lui faire porter le chapeau de la rupture de négociations, du, du méchant dans l'histoire, et on va, on, va la, on va la bombarder. Le 24 mars, comme la. Sur, la, la oui, vas-y. Je peux t'interrompre. Euh, oui. À ce stade, mon cher Slobodan, parce que j'ai un témoignage personnel. Euh, Allons-y. Pourquoi est-ce que ma. Caméra me fait des misères comme ça. Non, mais on non. te voit très bien. Oui, mais, mais en trop gros plan. C'est bizarre, ça. Je ne vais rien demander. Grave, non, non. Bon, <laughs> ça fait curieux. Je vais me reculer quand même un petit peu. Oui, voilà, comme ça. Euh, témoignage personnel de, de, de Régis de Castelnau. Euh, à ce moment-là, tu dis qu'il y avait des négociations à Rambouillet. Qui était oui. maire de Rambouillet D'abord, qui était président de la République C'était Jacques Chirac. C'était Gérard Larcher, l'actuel président du Sénat. Il était vice-président oh. du Sénat. Et je, oh. je le voyais régulièrement, je travaillais pour le, dans une commission du Sénat, et on a eu une discussion et je lui dis, mais j'espère qu'on va, qu va aboutir à un accord, qu'on va, qu va mettre fin à ce qui est en train de se passer là. Euh, il m'a répondu non. Non, non, euh, Madeleine Albright est déchaînée. Euh, les Américains ne veulent en aucun cas un, un accord et euh, il sabote toutes les discussions textuelles. il sabote toutes les discussions et il n'y aura pas d'accord et il y aura une intervention militaire de l'otan. voilà ce que gérard larcher m'a dit. Hein je ne sais pas si ça s'en rappelle. Faut... moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. bon, il, il faudra le lui signaler. Hein. Il, faut... <laughs> le il faudra le lui le rappeler même si, même, même si l'amnésie fait son travail surtout quand c'est délicat comme ça. Mais euh, c'est effectivement, je, je corrobore, je confirme, euh, j'ai entendu de, de plusieurs sources, que qu'elles soient serbes ou internationales, cette confirmation que les accords de Rambouillet n'étaient pas faits pour, pour obtenir une paix, mais pour justifier une guerre. C'est ce qui s'est produit. Mmh. Le seul, le hic dans cette guerre, et je me souviens parfaitement de, de, de la rhétorique occidentale, de la rhétorique américaine. Au sujet de, de, de cette intervention qui s'appelait, je crois, euh, Ange miséricordieux, le, le nom de code c'était Ange miséricordieux, sauf erreur, de cette opération de l'OTAN, c'est ben, on, va, on va les arroser de missiles de croisière pendant trois jours et ils vont, ils vont mourir de peur et ils vont signer tout ce qu'on veut. On sait que ça n'a pas marché, qu'ils ont, ils ont lancé les missiles de croisière, que ça a duré pratiquement 80 jours, 78 jours pour être bien précis, et ça ne s'est pas terminé par une capitulation de la Serbie, ça s'est terminé. Par, mais de bonne foi du côté de la Serbie, par un accord de paix concernant la, la, le retour de la paix au Kosovo. Dans la mesure où, et ça est de nouveau encore un élément qui était très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en, en Ukraine, en 1999 déjà, l'OTAN qui attaque la Serbie le 24 mars avec un rapport de force militaire, si on additionne les hommes et le matériel qui sont opposés à la Serbie, on a un rapport de force de, tiens-toi bien, 800 contre 1. 800 contre 1. L'OTAN dispose de quelque chose comme, je ne sais pas, 1000, 1000 avions de combat, la Serbie en a 40. C'est des choses comme ça. Plus le, la, la, la capacité économique qui est à l'époque indiscutable de, 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 de tous les pays de l'OTAN, plus la capacité industrielle, plus les, les armes sophistiquées, etc. La Serbie n'a aucune chance. Néanmoins, à aucun moment de ce conflit, aucune puissance, aucun pays de l'OTAN n'osera envoyer ses propres soldats au sol pour prendre, pour prendre le contrôle de ce pays. Ils se contenteront de bombarder de très haut et de détruire essentiellement des infrastructures civiles. Pour mémoire, on a eu environ 5000 morts lors de cette, de cette opération, dont seulement 120 environ, ou 130, sont des soldats, des militaires. On aura une quinzaine de blindés détruits, euh, un petit nombre d'avions. Le reste, c'est des ponts, des, 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 des administrations, des, même, des, même des hôpitaux et des écoles. Mais là, évidemment, personne ne va jamais répondre de tout ça. Et une ambassade. Et évidemment, en plus, et je pense que prétendre que c'est un, une erreur de tir ou de bavure, <laughs> ce serait vraiment très, très naïf aujourd'hui, l'ambassade de Chine. L'ambassade de Chine qui est directement euh, atteinte par un missile de croisière avec des morts. Et puis aussi, rappelons-le aussi, parce que ça constitue encore un précédent, le 16 avril 1992, l'OTAN délibérément, volontairement, bombarde les studios de la télévision nationale de Belgrade, au cœur de Belgrade, parce qu'en prétendant que ces gens-là, ces journalistes, participent à une opération de propagande et de désinformation. Et donc on les tue. Et je n'ai pas entendu Reporters sans frontières, ni quiconque, d'ailleurs, aucune organisation de défense de la liberté de la presse ou des droits de l'homme, en euh, Occident, s'élever existe... la compte. Existait déjà est-ce que je... bon, je... est-ce que Robert je Ménard avait été choisi par l'anglais déjà Tu vois, mais ce je ne sais ça pas, je ne le rappelle pas. Moi, j'ai des souvenirs assez précis de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a des critères qui ne trompent pas. Après, on faut essayer de s'informer. Tu as raison. Il y avait euh, il y avait une maîtrise du narratif, mais il fallait voir euh, qui se mobilisait chez nous. Euh, le pauvre Régis Debray s'était permis de faire un reportage, il a été massacré. Mais lorsqu'on voit qui fut le proconsul nommé par les Américains au Kosovo, M. Kouchner, qui a, oui. quand euh, intelligemment euh, Sarkozy l'a choisi comme ministre Affaires étrangères, a transformé le Quai d'Orsay en nid de néoconservateurs américains. Hein Nous, les cinglés du sous-sol, on les a au Quai d'Orsay. Et donc, euh, BHL, bien sûr, quand, quand BHL, alors on se moque de lui, c'est un pitre, c'est ceci, c'est cela. Non, non, non. C'est un agent. C'est un agent, et lorsqu'il y a une cause américaine qui se prépare, lorsqu'il y a des coups fourrés qui se préparent, euh, euh, Bernard-Henri Lévy est toujours là, il est le garde-chourme de l'atlantisme. Il y a des gens qui ont été spontanément atlantistes à l'époque, je, je, je me le rappelle, hein, ce, parmi ceux qui sont tombés sur Régis Debray, mais vous en avez d'autres qui sont des agents de l'hégémon. C'est tout. Et, et lorsqu'on les voit arriver, on sait qui est derrière. J'ajoute là-dessus une précision qui me semble très importante et qu'il ne faut pas oublier dans la, dans la suite du, de notre conversation. Euh, comme tu le sais, euh, récemment, les deux, les deux farceurs russes qui s'appellent euh, Vovan et Lexus ont piégé, ont piégé au téléphone euh, l'ex-président François Hollande euh, en lui faisant croire qu'il était au téléphone avec l'ex-président euh, ukrainien Poroshenko. Et là, il y a eu des, confi des confidences qui se qui se sont échangées. On sait pas, on s'est on s'est euh, passé euh, euh, comment on, on dit-on ça Moutarde d'esséner, c'est bien ça Non, la rhubarbe d'esséner. et On voit on bien, Sénés. on voit bien que la gastronomie serbe n'est pas euh, non, non c'est la rhubarbe. Gastronomie française. française. On s'est échangé quelques quelques politesses et à un moment donné, on entend bon d'abord évidemment, on entend de nouveau Monsieur Hollande confirmer que de son point de vue, les, accords, les, les fameux accords de Minsk n'étaient que de la poudre aux yeux de la Russie et qu'ils ne servaient qu'à acheter du temps pour, que, pour armer l'Ukraine, et, et, et il s'en félicite. Et puis il dit aussi une chose au détour d'une phrase il dit, euh, eh bien, cher Poroshenko, vous imaginez, si, si, vous si, vous nous, si Bernard Henri-Lévy ne nous avait pas mis en relation, nous n'aurions oui. pas, pas pu monter tout ça. Exact, tout à fait exact, oui, oui absolument. Ça m'avait frappé, oui, bien, tout à fait. Alors, alors tu as raison, c'est vrai que médiatiquement, littérairement, cinématographiquement, philosophiquement, c'est quelqu'un qui est un pitre absolu. Mais son rôle euh, derrière les coulisses, comme, comme ici, n'est pas à négliger, ce d'autant que c'est lui qui a fait toute la campagne de promotion et de, et de blanchiment moral de ce fameux islamiste bosniaque, Izet Begovic qui était présenté par lui comme un... Comme un, un brandon de la démocratie, alors qu'il avait, avait fait de la prison dans la Yougoslavie titiste pour ses convictions fondamentalistes islamiques. Il ne s'en cachait pas. Simplement, BHL lui a dit Bon, écoute, pour, pour le public français, on va les rouler dans la farine. Tu tu, baisses, tu, 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 tu tu parles pas de ça, tu leur, tu leur parles de démocratie. Et c'est comme ça que ça a marché. C'est la raison pour laquelle je pense que ça a une certaine importance. Euh, Michel Onfray, avec lequel j'ai énormément de désaccords, mais qui est un ami quand même, euh, a eu un jour une expression après la Libye. Il a dit Mais écoutez, il ne faut pas se tromper, cet homme est un criminel. On le, on mmh. le, on le traite, on polémique en le traitant de pitre, d'imposteur, on se moque de lui, etc. Non, non, il est le garde-churme en France des intérêts des Américains. Hein et il est là, d'ailleurs. Oui. Il suffit de voir. Il suffit de voir. Il fait une, une pièce de théâtre où personne ne va. Les, le, le, les deux présidents de la République successifs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, y vont. Hein euh, C'est-à-dire que, euh, je veux dire, il est extraordinairement présent dans les lieux de pouvoir. Hein Alors, et, et euh, il est, euh, il est cet homme-là. Donc, il faut le combattre comme tel. C est, c est, cet homme est un criminel. Oui. Moi, j'espère qu'un jour, je ne sais pas si je le verrai, les choses permettront de juger un certain nombre de personnes pour ce qu'ils ont fait. Hein Donc, et je pense qu'il euh, serait normal, il serait légitime, juridiquement légitime aussi, judiciairement légitime, que quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy euh, rende des comptes. Mais on n'en est ben, pas encore point, là. Au point de vue de, disons, du tribunal de l'Union le complot contre la paix, c'est un crime. Oui. Et c'est quelqu'un qui n'a cessé de comploter contre la paix très directement. Oui. Les historiens euh, trouveront probablement les éléments le permettant, mais nous verrons. Oui, oui on verra ça. Donc, le, 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 les bombardements commencent euh, euh, sur Belgrade et vont durer 78 jours jusqu'au, sauf erreur, 12 juin. Et c'est le 12 juin, donc, on signe un, on signe un traité, un armistice. Qui, euh, qui sera ensuite ratifié. Donc, c'est les fameux accords de Kumanovo en, en, en Macédoine euh, sur, euh, disons, le retour à la normale, la normalisation de la situation au Kosovo, qui prévoit que l'armée serbe s'en retire, qu'elle est remplacée par des soldats de la paix, OTANiens, euh, par secteur. Les, les, les Américains prennent un secteur, les Allemands un autre, les, 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 les Italiens un autre, et puis il y a les Français au nord de la, du, du Kosovo. Euh, et puis que euh, donc, euh, cette force-là veille à, au maintien de la paix et, et, à, et à ce qu'il n'y ait pas de représailles. Euh, sous, sous cette condition, la, la Serbie retire ses forces militaires, qui, ne, qui sont restées invaincues au Kosovo et, et n'ont pas été touchées. Enfin, ils ont été, on a essayé. Il y a eu une tentative d'incursion euh, terrestre faite par des proxies, comme on dit aujourd'hui, qui étaient des, des forces albanaises. Euh, Encadrés, semble-t-il, par le SAS euh, britannique, mais ils ont été repoussés, euh, complètement détruits. Bon. Euh, donc, la Serbie, volontairement, de bonne foi, se retire du Kosovo. Les euh, otaniens les forces otaniennes entrent. Là, Les Nations Unies, avec la résolution subséquente, qui, qui, est, la, qui est la résolution 1244, fixent le, le, le protocole de cette, de, cette, de, cette, de cette passation, de cette transition vers, vers une situation apaisée, mais en reconnaissant la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo. La, la Serbie, jusqu'à ce jour, selon les Nations Unies, a, pleine, a, a la souveraineté sur le Kosovo, même si le Kosovo est considéré comme une, comme une région autonome ou euh, largement décentralisée. Mais, selon les Nations Unies, c'est la Serbie. Que, que font les Occidentaux, à peine quelques années plus tard, ils, ils, ils initient un processus de euh, sécession, de reconnaissance de la souveraineté du Kosovo au mépris euh, des, tout simplement du droit international fixé par les résolutions des Nations Unies qu'ils avaient eux-mêmes signées. Et aujourd'hui, vous avez cette situation que une moitié, alors moins de la moitié ou plus de la moitié, je pense que maintenant c'est moins de la moitié des États membres des Nations Unies reconnaissent le Kosovo sous la pression évidemment de, de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire des États-Unis et de leurs satellites reconnaissent la souveraineté du Kosovo, et une autre moitié des pays du monde, y compris au sein de l'Union européenne, puisqu'il y a notamment l'Espagne, ne reconnaissent pas la souveraineté du Kosovo, parce que ça entraîne évidemment de très gros risques de perturbations à l'intérieur de leurs propres euh, frontières. Ben bah oui, parce que, parce que là, le précédent du Kosovo, c'est un, une, 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 une grosse barre de dynamite qui est, qui est, qui est fichée dans l'ordre constitutionnel, l'ordre... Euh, 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 juridique de tous les États. Si on peut détacher le Kosovo, pourquoi on ne pourrait pas détacher par la force la Catalogne Pourquoi pas l'Écosse, s'il a envie de se barrer Pourquoi pas euh, le Pays Basque pourquoi Ou la Corse Et pourquoi pas, la, et pourquoi pas, et pourquoi pas la Crimée Sauf que la Crimée, il n'y a pas eu de violence, il y a eu un référendum. La Crimée s'est barrée en 2014. Les, les, les Ukrainiens, et leurs alliés occidentaux, après le coup d'État du Maïdan, n'ont rien pu faire. Le référendum, entrée des, des petits hommes verts, comme on disait à l'époque, donc des soldats russes, et puis c'est fini. Mais quand, quand on a dit Mais qu'est-ce que vous avez fait Enfin, vous avez arraché un bout de territoire à l'Ukraine à les Russes répondent quoi D'abord, on ne l'a pas arraché enfin, par la force, c'est à, à la régulière, avec un référendum ces gens-là ne veulent pas faire partie de cet État. Puis ensuite, euh, allez voir au Kosovo si nous y sommes. C'est tout. Mais je, je, je profite de, de, de l'examen de cet aspect pour expliquer certains des votes de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'intervention russe en Ukraine. Oui. Euh, quand on y dit, regardez comme les Russes sont isolés, non, beaucoup de pays condamnent l'intervention, et à commencer par les Chinois après. Il développe tout un tas de choses, tout un tas d'arguments. C'est vrai que sur le plan du droit international, c'est une question relativement compliquée. Hein. Par exemple, pour la Crimée, quand on sait que la Crimée est passée par plusieurs stades hein, avant d'être oui. réannexée par l'Ukraine oui. et maintenant par la Russie. Donc, euh, effectivement, tout, tout, toutes ces perturbations dans le droit international, y compris l'intervention russe, Hein, L'intervention russe dit voilà voilà nos critères juridiques c'est une, euh, une intervention pro défensive provoquée c'est la raison pour laquelle les Américains disent c'est une guerre d'agression non provoquée ils sont pas fous deux concepts juridiques bon c'est euh, on verra euh, euh, si des instances internationales tranchent cette question ou on verra si l'histoire la tranche mais en l'état actuel des choses les autres pays qui sont probablement favorables et pas mécontents que les Russes se tapent le boulot, c'est-à-dire mènent eux aussi une guerre par proxy contre l'Occident. Il hein n'y euh, a pas que l'Occident qui mène une guerre par proxy, une guerre par procuration contre la Russie, il y a la Russie qui mène une guerre contre l'Occident, et c'est d'ailleurs ce que euh, Vladimir Poutine ces jours-ci a dit. Donc euh, oui, euh, ça n'empêchera pas, parce qu'il faut préserver le droit international, il faut le préserver, c'est quelque chose de fragile, ça n'empêchera pas certains, y compris qui sont des amis de la Russie, ou bien qui sont favorables à ce qui est en train de se passer, de le condamner devant certaines instances internationales. Mais nous verrons. Nous verrons ce qui se passe par la suite. Mais il est clair que le Kosovo constitue un précédent, mais ce n'est pas le seul, un précédent qui disqualifie totalement l'Occident aujourd'hui pour faire la moindre remarque. La notion de double standard. Hein euh, L'autre jour, j'entendais je, 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 un, un général français qui a, qui a eu de grandes responsabilités à l'OTAN et qui disait, si Poutine gagne cette guerre, ça va être terrible pour l'ordre international. Bon, l'ordre international, il est en train de changer et je pense que c'est une bonne chose. Mais euh, quelqu'un lui disait, mais attendez... Euh, vous, vous reprochez à Vladimir Poutine d'imposer quelque chose par la force, mais dites donc euh, l'Occident est là immédiatement, oui c'est vrai, il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs, mais ça, mais ça, c'est terrible, ça c'est terrible. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait par les États-Unis, hein, aujourd'hui, disqualifie complètement, c'est le juriste que je suis qui le dit, disqualifie complètement. Tout ce qu'on entend dans le narratif occidental. Alors, je reviens vers toi parce que on martèle un certain nombre de choses. Je reviens vers toi concernant les, les conséquences de ce qui s'est donc produit à ce moment-là et euh, le, comment la situation a évolué au Kosovo. Alors, pour euh, euh, ajouter un petit complément, je ne suis pas juriste, mais c'est ce qui, je suis sensible à la manipulation, à la logomachie, à la manipulation par les mots et les concepts. Euh, un, un, un détail rhétorique qui confirme ce que tu viens de dire, c'est que euh, si on prête attention à, au langage, les Américains et leurs alliés ne parlent plus, ils disent bien que l'ordre mondial est perturbé, mais ils ne parlent plus de, de l'ordre du droit, ils ne parlent plus du règne du droit, ils ne parlent plus de droit international du tout, ils parlent de l'ordre basé sur des règles. Les Américains disent toujours Rule-Based Order, ce qui veut dire... C'est un, un ordre qui n'est peut-être pas légal, mais c'est l'ordre qui est basé sur les règles que nous, nous dictons. Et à partir du moment où ils ont commencé à utiliser ces, 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 ce langage-là, non seulement les Russes, mais une grande partie du monde, tous les pays du monde qui avaient, qui avaient un temps soit peu le souci de leur propre souveraineté, se sont dit, mais pourquoi est-ce que nous devrions suivre les règles arbitraires d'une puissance non validé par les instances internationales, non validé par l'Assemblée générale des Nations unies. Le rule-based order, c'est l'ordre arbitraire de Washington. Et c'est tout. Donc, à partir du... Je, je répète, à partir du moment où on a reconnu l'indépendance du, violente du Kosovo, l'ordre international, l'ordre basé sur le droit, a, a, a cessé de fonctionner et d'exister. De, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est produit Oui, J'ajoute une chose, excuse-moi, Slobodan. Qui, moi, le français que je suis, me scandalise. On a des dirigeants qui le savent, ça, qui sont mmh. pourtant, euh, qui fonctionnent dans un cadre juridique, dans des institutions où la règle de droit est tout à fait importante. On a mmh. un patron de l'Occident, devant lequel on est à plat ventre, hein, qui dit c'est moi qui décide de les des règles et qui pratique le mot le plus terrible, qui, qui lorsqu'on parle de droit, c'est l'arbitraire. Hein ouais. Et Monsieur Macron, Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, l'arbitraire américain les a gênés. Enfin, faut quand même savoir qu'en 2003, lorsque euh, Jacques Chirac sauve l'honneur et s'oppose au crime commis par George Bush et sa bande, hein, crime au pluriel, hein, au crime commis par Georges Bush et sa bande, hein, il y a un certain nombre d'hommes politiques français suivis Morgard qui se sont précipités à l'ambassade américaine pour dire nous sommes contre la position de la France, qui était la seule oui. position juridiquement possible. Absolument. On en est là. Et nous sommes, Absolument. hélas, du mauvais côté de l'histoire. Excuse-moi, je t'ai interrompu pour exprimer mes états d'âme, mais bon. <laughs> C'est normal. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe au, au, au Kosovo euh, on, on va avoir un processus qui est déjà enclenché au moment de, au moment de la guerre, mais qui va s'aggraver de nouveau, de nettoyage ethnique de tous les non-albanais du Kosovo. Alors, on va, on va expulser des Serbes, notamment, il va y avoir en 2004 un pogrom, un pogrom avec incendie de maisons, incendie de beaucoup de lieux de culte, d'églises, de monastères, destruction de cimetières, destruction de, 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 de biens agricoles, sous les yeux, sous les yeux de ces soldats dits de la paix. Alors, d'une certaine manière, il faut bien, il faut, il faut, il faut être juste, euh, certains contingents de, 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 de l'OTAN ne vont pas participer, ne vont pas laisser faire. Les Italiens, notamment, qui sont du côté de Deccani, donc Deciani qui, qui est un haut lieu de la spiritualité serbe, un, 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 un grand monastère historique. Et puis les Français, qui sont au, au nord du Kosovo et qui, grâce, à, grâce notamment à l'intervention tout au début des paras français commandés par Jacques Hogar, ont maintenu. Ont euh, euh, au, au permis aux, aux Serbes désarmés du Nord Kosovo, jusqu'à jusqu ce jour, jusqu'à jusqu récemment, de garder, euh, de garder leur, leur relative autonomie euh, au sein de ce Kosovo livré aux Albanais entièrement. Donc, le processus de nettoyage ethnique, c'est un fait, il est indéniable, et évidemment, les gardiens. Les gardiens mondiaux du droit, euh, de, du, de la morale et des, et des valeurs humanitaires ne vont pas faire le, pas faire le moindre geste pour l'enrayer. Au contraire, c'est le but. Les, ins, les Américains vont installer une très grande base militaire dans leur, dans leur secteur, qui s cette base s'appelle steel Curieusement, tout au début, dans les années 2000 ou 2001, on a eu un ou deux grands reportages, un ou deux reportages dans les médias français. Ça devait être dans, dans Paris Match ou dans le Figaro Magazine, sur cette base qui est absolument euh, sidérante. Et puis après, on, plus personne n'en a parlé. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles les Américains ont occupé le Kosovo. Une autre raison qui est d'ordre, j'allais dire économique ou commercial, mais qui est en fait d'ordre mafieux, c'est que qu'ils voulaient faire main basse euh, sur les, les richesses incontestables du sous-sol, minière, sur euh, les infrastructures, etc. On sait que Madame Albright, la secrétaire d'État, a investi dans... Dans les, les télécoms du Kosovo, etc. etc. Voilà Voilà. en gros le, le processus qui, aujourd'hui, ce printemps, a abouti à, à, des, à des mesures qui sont absolument brutales de dépossession à l'égard de la minorité, des, du petit nombre de Serbes qui restent encore au Kosovo. Alors. Je, je vais essayer de me débarrasser parce que je crois qu'il euh, faut que je fasse un geste pour la caméra parce que c'est elle, elle. il paraît qu'elle est intelligente et c'est pour ça qu'elle elle m'a fait elle... un gros plan hein, qui, qui me perturbe un peu parce que j'essaie de te regarder et je vois plutôt ma face. Alors je vais essayer. Euh, comment est-ce que je peux faire, moi, pour que. Mais non, elle... tu sais, euh, ça. Ah Alors là, tu es tout prêt. Oui, bien parce que je me suis rapproché, mais si je m'éloigne, ouais. elle me suit, cet imbécile. Donc, oh, ça, c'est quand même extraordinaire. Non, pour l'instant, ça va. Si tu ne fais rien, ça va. Moi, je te vois normalement. Bon, écoute, je, je vais, je vais quand même voir si euh, je vais suspendre l'enregistrement une seconde pour essayer de me débarrasser de ça. Hein. Tu, tu restes là, oui, reste je là. Je reste, je reste, je reste. Kik. Voilà, je crois que j'ai réussi à régler ma petite caméra. Euh, okay. Donc voilà. Alors, euh, tu, tu m'avais dit que euh, le terme « kraina avait peut-être une signification concernant ce qui se passe aujourd'hui ben, Ce n'est pas peut-être, c'est que kraïna et ukraïna, c'est le même mot. Et ce mot, dans les langues slaves, ici en serbo-croate, là-bas en, en russe ou ukrainien, euh, signifie tout simplement les confins, les marches, les, les confins des, des frontières, des, des, des empires. Euh, la kraïna, on le sait historiquement, c'est une, une, une sorte de zone grise, comme on dirait chez les militaires. Ou, euh, ou de zone tampon entre l'empire le, ottoman et, le, et les empires chrétiens, enfin l'empire austro-hongrois. On sait que euh, au début du, à la fin du, du XVIIe au début du XVIIIe siècle, les ottomans avaient poussé pratiquement jusqu'à Vienne, et les, les austro-hongrois avaient l'empire austro-hongrois avait utilisé ces Serbes qui fuyaient l'avancée euh, euh, ottomane comme boucliers, comme garde frontière face. Aux Turcs, et c'était leur fonction jusqu'au 19e siècle. Lorsque, pour, des raisons, pour diverses raisons politiques et géopolitiques, la, la frontière, donc la kraïna militaire, on appelait ça littéralement la kraïna, les confins militaires, ils avaient un statut militaire, ces confins, euh, ont été dissous, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils sont retournés à un, sta, à, à une, à un statut civil, ben, on n'avait plus tellement d'utilité de ces, de ces soldats serbes et on a essayé de les, plus ou moins de force, de les. Intégrés à la population ordinaire de l'Empire, qui était d'une part civile, d'autre part catholique, donc soumise au, au, à l'autorité et surtout aux taxes de l'Église catholique, ce que les Serbes ont refusé. Donc euh, il, y a, il va y avoir une montée des tensions entre les Serbes et leur entourage croate ou euh, austro-hongrois catholique qui va aboutir d'une certaine manière pour partie. À, au terrible génocide commis dans l'État indépendant de Croatie en 1941-45. Donc euh, ça, c'est l'histoire de la Maintenant, l'Ukraine, c'est un peu la même chose. Ce sont des zones, des landes. Ce sont jusqu'au XVIIIe siècle, ce sont des, des zones désertiques où on va avoir des unités de Cosaques, donc de soldats libres, qui vont, qui sont là pour protéger les frontières, ces, ces, ces immenses terres des incursions, par exemple, ottomanes ou, ou tatars. Et puis ensuite. Euh, euh, il va y avoir un peuplement, une exploitation agricole de, de, cette, de, de, de ce qui est la, la plus riche terre agricole d'Europe de, et peut-être du monde. Et une anecdote qui est extrêmement intéressante, qui, qui relie la Kraïna à l'Ukraine, c'est qu'au euh, XVIIIe siècle, et ceci est documenté non seulement par les historiens, mais également par un, par un, un superbe roman de Miloš Selyansky qui s'appelle Migration. C'est une grande saga. À partir de laquelle on a d'ailleurs fait un film avec des grandes vedettes françaises à une époque. Dans Migration, on voit l'histoire de l'exode de des Serbes, notamment d'une partie des militaires qui servaient l'empereur d'Autriche, qui, au XVIIIe siècle, mécontents de leur traitement et des, des pressions d'assimilation qu'ils subissaient dans l'Empire austro-hongrois, ont, ont, ont décidé d'émigrer vers la Russie en masse précédés par leur, leurs évêques, par leurs leur colonels, leurs chefs militaires, ils sont partis vers la Russie. Et à ce moment-là, le tsar leur a octroyé une terre où ils pouvaient s'établir. C'était une terre qui était plus ou moins euh, désertique, une terre de lande, le long euh, du Don, donc à l'est de, de l'Ukraine actuelle. C'est ce qui va devenir, historiquement, le Donbass. Dans cette région, aujourd'hui, il y a des toponymes qui rappelle ce peuplement, notamment un, 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 une, une petite ville qui s'appelle Slaviano-Serbsk, et dans laquelle il y a, où il y avait, parce que c'est une ville sous contrôle ukrainien, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, il y avait un musée de l'amitié la, ou de la, de la, de la, de la fusion euh, russo-serbe dans le Donbass. Ça, ça, ça date du milieu du XVIIIe siècle. Donc d'une certaine manière, la population, pour une partie, la population du Donbass, qui se bat aujourd'hui contre les Ukrainiens, les, le, pas contre les Ukrainiens, mais contre le régime installé à Kiev, une, ce sont les descendants de Serbes. Tout ça est, 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 est tout à fait passionnant parce qu'on <coughs> s'aperçoit qu'il ne faut pas se tromper sur la modernité ou la postmodernité, c'est-à-dire qu'il y a des permanences, il y a des racines longues, mmh. euh, la toponymie raconte des histoires extraordinaires. Mmh. Euh, D'ailleurs, pas très loin de Bakhmut, il y avait un village. Qui s'appelait Sacco et Vanzetti. C'est pas de la toponymie qui renvoie. Oui. <laughs> et donc <laughs> euh, c'était assez étonnant. Et un autre New York d'ailleurs. Hein, euh, donc il y a New York, euh, oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà. Non mais. Ça montre bien euh, tout, tout, toutes ces permanences. Euh, est-ce qu'on va vers une... Euh, dans, dans cette multipolarité qui, se, qui va se mettre en place, euh, où la notion de souveraineté sera très importante, est-ce qu'on va vers euh, la création d'État-civilisation, hein, c'est-à-dire que euh, ce qui les rassemblera, euh, au-delà euh, au de la langue, ce sera une culture particulière, une histoire spécifique. Moi, j'ai eu le privilège de visiter assez profondément la Chine, j'ai été extrêmement surpris par l'ampleur de la civilisation. Hein, et donc, oui. euh, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, mon cher Slobodan, euh, je vais te demander ton avis sur, un, sur quelque chose euh, qui me semble important maintenant. On va pas parler de la contre-offensive euh, ukrainienne. Les historiens militaires en parleront sur cette, cette contre-offensive annoncée, annoncée, annoncée. Ce qui est quand même pour l'effet de surprise, hein, c'est la Maskirovska moderne. Ça peut rater. Euh, non, mais c'est incroyable. Bon, manifestement, les Occidentaux ont insisté pour différentes raisons. Euh, Aujourd'hui, cette offensive, euh, les seules caractéristiques qu'on peut lui trouver, c'est qu'elles aboutissent quand même à ce qui, ce qui ressemble à un massacre. Euh, tout ça est terrible, euh, mais sur le plan militaire, rien de significatif n'a été obtenu par les Ukrainiens, euh, même si dans notre propre pays, qui est un des pires hein, en ce qui concerne la propagande, on continue à, à sortir les calculettes pour calculer le nombre de mètres carrés qui ont été euh, conquis. Donc, moi, la question que je voudrais te poser, c'est que il y a en ce moment le SPIEF, c'est-à-dire le, le colloque économique qui a lieu à, à Saint-Pétersbourg, où euh, Vladimir Poutine est intervenu. Il y a euh, la délégation des chefs d'État africains, conduite par le, le président de, de l'Afrique du Sud, qui est venue avec un plan de paix. Il y a eu une discussion avec des correspondants de guerre et euh, Vladimir Poutine a été prolixe. Euh, je, je trouve qu'il est très déterminé. C'est-à-dire qu'il est toujours, il est toujours euh, assez calme dans, dans son expression. Quelquefois, il utilise des termes un peu durs, mais là, euh, je trouve qu'il euh, affiche une détermination qui est assez impressionnante. Et je pense que les Occidentaux feraient bien de bien l'écouter, ce qu'ils ne font pas en général. Hein. Euh, donc, feraient bien de l'écouter. Euh, et en particulier, et en particulier, quand il a répondu vertement aux Africains. Je veux dire, il va falloir qu'il aille en Afrique du Sud au mois d'août pour la réunion des BRICS. Il a répondu à Ramaphosa hein, qu'il euh, n'y aurait pas de négociation. Il y en avait une. Il a sorti le traité paraffé par le représentant ukrainien en disant voilà, l'Occident leur a dit de ne pas le respecter. Ils l'ont signé, de ne pas le respecter. Eh bien, la guerre a continué avec le, le, le prix que l'on connaît. Voilà, c'était de recueillir, toi qui connais bien. Euh, le monde slave qui connaît bien la Russie, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, attendre de cette détermination qui s'exprime par le président Poutine Eh bien, je pense qu'on ne peut en attendre rien de bon pour l'Occident. Parce que, euh, on le sait, euh, lorsqu'on connaît un peu le, le climat intérieur, le débat intérieur russe, qu'aux yeux de beaucoup de, de Russes, et en particulier de ces fameux correspondants de guerre, qu'il a rencontré en conférence récemment. Aux yeux de ces gens-là, Poutine passe presque pour quelqu'un de tiède, de mou. Il, a, il, il fait les concessions autant qu'il peut, aussi longtemps qu'il le peut. Et c'est ce qu'il a fait. On lui, on lui a beaucoup reproché euh, de n'être pas, inter, pas intervenu d'abord militairement pour, pour euh, empêcher le, le renversement du, du pouvoir de Kiev. Il faut quand même pas oublier que le pouvoir qui est aujourd'hui à Kiev est issu d'un coup, d'un putsch, d'un coup d'État violent. C'est uniquement l'art rhétorique, l'art de la manipulation médiatique des Occidentaux qui nous ont fait oublier qu'il s'agissait qu'il s'agit aujourd'hui d'un pouvoir illégitime. Il est issu d'un putsch. Bon, euh, euh, on lui a reproché de ne, pas, de ne pas être intervenu. On lui a reproché sa, 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 son extrême patience vis-à-vis -vis de, de, de Zelensky. Euh, la volonté toujours de privilégier euh, des traités de paix, euh, son, sa réaction assez, somme toute assez diplomatique vis-à-vis -vis de, de, de la destruction du gazoduc Nord Stream. Et il faut ça il faut être vraiment extrêmement naïf ou aveugle pour ne pas comprendre que c'est un coup des Américains, même Évidemment. si maintenant ils essaient de faire porter le chapeau à, à, à ce pauvre Zaloujnik qui, qui n'est peut-être même plus en état de répondre. Euh, mais donc maintenant, on le voit, effectivement, il a changé de ton. Ce pas pour rien qu'il est allé voir euh, l'aile la plus turbulente et la plus, la, plus, la plus nerveuse de, de la médiasphère russe, qui sont les co correspondants de guerre. Et c'est pas pour rien, à mon avis, qu'il a sorti devant le président Ramaphosa, pour la première fois, ce document qui est assez précis, euh, qui était le, le, le projet de traité de paix, qu'on avait laborieusement établi avec la partie ukrainienne, et si l'on s'en souvient, mais on s'en souvient pas. Les Ukrainiens, depuis le début, avaient, avaient constamment fait traîner les négociations avec leurs atermoiements, avec leur retard, leur retard à la, aux, aux réunions, etc. On se souvient aussi que, lors de la, après la première rencontre avec les négociateurs russes, un membre de la délégation ukrainienne avait été simplement tué d'une balle en pleine tête ou en pleine poitrine, parce qu'on l'avait soupçonné d'être un agent russe. Personne n'a réagi à ça. Rien. Et puis, finalement, et est très important, est, ceci est très important pour comprendre le déroulement de cette guerre. Euh, les, les Russes étaient intervenus le 24 février avec une force très mobile et très, très, peu, no, très peu nombreuse. Ce que gros, Très, très, très peu nombreuse, mais qui, jusqu'au début mars, avait fait son travail, parce que le but de cette force était d'amener euh, Kiev à la table de négociation pour avoir un traité euh, 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 viable, un traité de paix viable. Pourquoi? Je rappelle, mais j'ai été à, à l'antipresse l'un des très rares à avoir souligné cela au, à l'automne 2021. À l'automne 2021, Poutine avait écrit une lettre qui avait tout d'un ultimatum aux, aux Américains et à l'OTAN et, et en disant Maintenant, nous ne voulons plus plaisanter. Nous voulons de votre part un engagement signé pour le respect des. Euh, exigences de sécurité de la Fédération de Russie, notamment euh, relativement au déploiement de vos armes en Ukraine. Nous voulons, nous ne plaisantons pas, nous voulons que vous vous engagiez à ne pas pousser le bouchon plus loin. Moi, j'avais lu ça et j'avais compris que l'étape suivante ce serait soit qu'on entendrait qu'à Washington et à Bruxelles, on entendrait ce qu'il avait à leur dire, cet homme, qui était, qui était un mou, n'est-ce pas, qui passait pour un mou aux yeux des Russes. Soit on irait vers la guerre, et c'est ce qui s'est produit. Ils n'ont pas voulu entendre, la réponse a été ridicule, ils, ont, ils se sont simplement moqués de sa lettre, et on a eu la guerre. Donc, cette guerre, la première phase, 24 février, mi-mars, l'opération, elle, elle, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a contraint les Ukrainiens à, à négocier sur le Donbass, sur la, la sécurité de la frontière avec la Russie. Qu'est-ce qui se produit les, les Ukrainiens signent. Comme je le rappelle, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, comme les, les musulmans de, de Sarajevo avaient signé à, à Lisbonne au printemps 92 un, un accord de paix pour éviter la guerre, les Ukrainiens signent et immédiatement Boris Johnson arrive à Kiev et dit à, à Zelensky non non pas du tout pas du tout euh, pourquoi avez-vous signé ça enfin pourquoi vous apprêtez-vous à ratifier ça nous vous garantissons toute l'aide nécessaire pour que vous puissiez vous tout seul par la force militaire, reprendre tout votre territoire. À partir de ce moment-là, la guerre change de nature. Ce n'est plus une guerre Russie-Ukraine, c'est une guerre Russie-OTAN, puisque l'OTAN, les, 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 par la voix de Johnson, prend la responsabilité des événements qui suivent, littéralement. C est, c est, ils sont entièrement responsables de ce qui suit. Ils disent aux, aux Ukrainiens Vous n'en occupez pas, nous reprenons la barre. Vous aurez tout ce qu'il vous faut vous aurez des armes miracles. Simplement, à partir de ce moment-là, les Russes comprennent que, ah là là, s'ils si, euh, si leur ont promis ça, c'est que nos no, no 150 000 hommes éparpillés en, en Ukraine, ça ne marche plus. On les retire, on les redéploie, et on, et, et, et on, on, on se prépare pour une guerre euh, euh, d'attrition, une guerre de longue durée, puisqu'on on va avoir tout l'OTAN en face de nous. Et là, la guerre change. Et évidemment, ils il cèdent du territoire. Euh, il, après avoir pris Mariupol, ils cèdent, on comprend aujourd'hui pourquoi, ils cèdent Kherson, parce que c'est sur la mauvaise rive du, du Dnieper, ça aurait été indéfendable, ils cèdent des terres sans grand intérêt stratégique du côté de Kharkov pour se regrouper et faire cette, et faire cette tortue qu'ils ont faite maintenant euh, dans les régions de l'Est et sur laquelle l'offensive ukrainienne vient de se casser les dents. On voit très bien ce qu'ils ont fait. Il n'y a absolument aucune panique, aucune débandade chez eux depuis mars euh, 2022. Et ce qui est tragique, ce qui est tragique chez les Occidentaux, c'est que leur orgueil, leur présomption, leur vantardise, leur ont fait prendre la, le repli stratégique délibéré des Russes pour un signe de faiblesse. Et donc, ils se sont engouffrés dans la brèche. Ils ont cru que, que c'était gagné. Je veux dire, euh, 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 revoyez un petit peu les, les archives de BFM et de LCI sur les, les six ou neuf derniers mois, c'est un, un, un cirque qui restera pour l'histoire. Ah oui ça reste là pour l'histoire. On n'a on a, on, on, on jamais débité autant de mensonges et de, 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 de simples stupidités que sur le plateau de l'LCI avec les, avec les généraux de plateau. C'est même, même amusant. Alors, sur, bon. sur, sur la, le fait que, contrairement à ce qui a été dit, de 2014 à 2022, <coughs> les Russes ne sont pas intervenus. Je suppose qu'ils ont soutenu. Je suppose qu'il y a un certain nombre de militaires qui, qui se sont qui se sont rendus là-bas, qui ont quitté le service actif pour oui. rejoindre les troupes des républiques séparatistes, euh, mais ils ne sont pas intervenus. Alors on le reproche à Vladimir Poutine. Je me demande dans quelle mesure euh, la Russie était prête, parce que l'histoire c'est quand même euh, l'annexion de la Crimée, des sanctions importantes. La Russie s'est préparée. La planification stratégique, c'est une vieille histoire russe. Ouais. Euh, ça n'est plus une compétence occidentale, j'ai l'impression. Donc il y a eu euh, l'idée, parce que le, le, le fait de faire capoter la négociation, c'était pour dire on va les user et en attendant, grâce à nos sanctions, on va les mettre à genoux, comme dit ce cher Bruno Le Maire qui écrit des romans dans la blanche de Galimard. Excuse-moi, le euh, d'y revenir, mon Dieu. Euh, donc, le, le, le problème, ce sont toutes ces erreurs considérables. Euh, C'est-à-dire que ça va être difficile de se replacer dans la situation de l'époque, dans la psychologie de ces imbéciles hein, qui étaient persuadés. Euh, le ministre de l'économie d'une des première puissance économique du monde qui dit des conneries absolument effarantes. Donc euh, le, le, le problème aujourd'hui, c'est que cette situation, c'est-à-dire que le, les Russes, avec euh, le blocage de la contre-offensive, le blocage probable de la contre-offensive ukrainienne menée à un coût extrêmement élevé, euh, va être la destruction de la troisième itération de l'armée ukrainienne. Il y a eu la première, il y a eu ensuite la deuxième euh, installée par l'OTAN, maintenant c'était la troisième, puisque les gars qui vont se faire tuer euh, actuellement, <coughs> pour la plupart, je parle des, des troupes de première ligne, des, des troupes de mêlée euh, formées, ont été formées en, en Occident. Donc euh, là, ça va être de nouveau. Être une probable défaite. Et face à cette défaite, on a, euh, on a un pouvoir euh, russe qui est dans la fermeté. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est d'écouter Poutine, d'écouter Lavrov. Shoigu, on l'entend moins. Hein. Euh, Gerasimov, on n'entend rien du tout. Hein. Je non. pense que c'est Ce n'est pas, pas le boulot d'un chef militaire que de parler. Mais absolument, mais absolument. Non, mais je veux dire, sur les, les hommes importants de ce qui est en train de se jouer. Alors, il y a Medvedev qui joue le, le bad cop mais, mais euh, je, je, je pense que euh, cette fermeté, qui n'est pas une fermeté nouvelle, hein, mais simplement qui est bien réaffirmée sur plusieurs plans, par exemple, aux au participants euh, au spief, on a passé un film sur les exactions, sur les génocides perpétrés par euh, les banderistes. C'est assez oui. impressionnant quand même. C'est assez oui. impressionnant parce qu'on va quand même rappeler moi quelque chose, mais mais qui me met hors de moi. C'est-à-dire que euh, au Ravin de Babillard, hein, le fameux Ravin de Babillard où 33 000 Juifs, hommes, femmes et enfants ont été massacrés, ils avaient été amenés par les banderistes pour que les les Einsatzgruppen les euh, les tuent. Hein. Eh bien, l'avenue qui y mène s'appelle l'avenue Bandera. Non mais on imagine si on mettait en France la rue qui amène à l'endroit où était le Veldive, qu'on appelait rue du maréchal Pétain, hein, ou rue Joseph d'arnan. enfin voyons, c'est exactement truc, la truc. même chose, c'est exactement ça. Voilà. J'élève le ton parce que ça me met dans, dans des états de rage hein, d'entendre ceux qui, euh, qui finassent avec ce genre de choses. Bon, donc ça a été remontré, alors je te pose la question Slobodan, est-ce que ça veut dire que sur cette question-là, le fait de revenir en force, un petit peu, parce que c'est un événement assez fort, hein, cette euh, diffusion, est-ce que ce n'est pas un message aussi envoyé sur l'objectif initial, rappelons-nous, hein, qui était dénazification de l'Ukraine? Est-ce que ça, ce n'est pas un message à envoyer hein, à un certain nombre de personnes qui euh, auraient peut-être intérêt à être prudents désormais? Alors, euh, le, le sentiment général des Russes, très fréquent, c'est que depuis, depuis euh, l'année dernière, et même depuis 2014, avec ces, ces exactions épouvantables des, des milices bandéristes en Ukraine, notamment le, la, la, le massacre d'Odessa euh, en, 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 en avril 2014 ou en mai 2014, lorsqu'on a, on a brûlé vif euh, 48 personnes qui manifestaient contre, contre, la, contre ce gouvernement putschiste, on les a brûlés vifs et personne n'a été tra traîné en justice. Les, les Russes ont le sentiment que leur, leur grande guerre patriotique contre le nazisme n'est pas terminée, et que euh, plus que cela, et c'est un sentiment que j'ai vu euh, maintenant poindre aussi chez beaucoup de gens qui ne sont pas stupides en Occident, on a le sentiment que le nazisme en tant que idéologie et en tant qu'ambition de, de, de domination totale n'a pas perdu la deuxième guerre mondiale. Il a sacrifié une grosse pièce qui était l'Allemagne en transférant les, les savants, les policiers, euh, euh, tous les effectifs euh, euh, stratégiques vers euh, l'Occident, vers l'Amérique du Sud, vers, vers divers pays, notamment en transitant par la Suisse où je suis. Et puis que maintenant, cette idéologie, du moins en Europe de l'Est, et c'est quelque chose que moi-même j'ai observé dès 1991 avec, avec le retour en force des symboles nazis en Croatie, de manière totalement impunie, eh bien, cette idéologie a lâcher ses chiens de manière totalement déchaînée contre les Russes, contre les Serbes, à, à, euh, dans toutes ces régions où elle avait commis les, ses pires exactions dans la Deuxième Guerre mondiale, et que personne n'y réagisse, que personne n'y réagisse en Occident, alors même que si vous, si vous sortez avec un tatouage, avec une, une croix gammée tatouée sur le bras, ici en France, vous allez, vous allez avoir affaire à la police. Si, je ne parle même pas d'un autocollant que vous mettriez sur votre voiture, il y a quelque chose de complètement schizophrénique. Il y a, il y a quelque chose de complètement offensant, des, profondément insultant, parce qu'on on dit, le, le nazisme, pour nous, non, non, c est, c est, c est, mais ces chiens-là, c'est bon pour les Russes. On peut les lâcher. On n'imagine pas comment un peuple qui a laissé 27 millions de ses, de ses enfants dans cette guerre peut prendre cette désinvolture des Occidentaux vis-à-vis -vis de ces symboles et des gens qui les incarnent. On n'imagine pas l'offense que ça représente. Sam, merci d'avoir dit ça, Slobodan, parce que pour moi, c'est fondamental. Pour moi, c'est fondamental. Je, bon, je pense au film qui s'appelle Requiem pour un massacre en français, qui est, qui, est, qui est un mauvais titre, ça s'appelle Va et regarde. Hein, ouais, euh, qui, est, qui est un film euh, sur. Euh, c'est un des films de guerre les plus extraordinaires que j'ai vu euh, et qui parle des, finalement des 621 oradour sur glane que la Biélorussie, la seule Biélorussie, oui. a connue. Hein. Donc, euh, non, non. non ce... Mais c'est d'autant plus étonnant qu'on est un pays qui a été marqué. Par la Première Guerre mondiale, pour différentes raisons. Hein. Oui. Euh, bon, moi, sur le plan familial, évidemment. Euh, J'avais fait un article au début du centenaire pour dire euh, la France fille du soldat inconnu. Euh, C'est vrai, ça a été, ça a été. As... Alors, imaginons nous euh, euh, la Russie. Il faut l'imaginer. Alors, je reviens sur <coughs> une seconde et pour terminer sur euh, le. le, le... Le ton de Vladimir Poutine, le contenu des messages, c'est surtout ça qui est important. Le ton, il va rester égal, il va rester oui. calme, mais le contenu, c'est que je me rappelle quand même, euh, et je pense que c'est quelqu'un justement qui suit une ligne euh, et, et qui ne parle jamais euh, au, au hasard. Et lorsqu'il a euh, lancé l'opération spéciale, il y avait un certain nombre d'objectifs, et je me rappelle de sa phrase, il a parlé d'Odessa, il a dit, nous savons qui l'a fait, nous connaissons leur nom. Nous les attraperons, nous les jugerons. Hein oui. Donc, ça, je pense que euh, aujourd'hui on, on, on va peut-être entrer dans cette, euh, dans cette phase. Et je reviens sur mon, mon pauvre pays euh, qui euh, euh, passe son temps à essayer d'être euh, le serviteur le plus zélé euh, de l'hégémon américain. Euh, c'est véritablement, au bout d'un moment, c'est véritablement une. une euh, une souffrance. Alors, je te pose quand même une dernière petite question sur, euh, pour essayer de voir un peu plus loin, euh, est-ce que on peut imaginer que les Russes aujourd'hui euh, soient dans une stratégie qui consisterait à, euh, je veux dire, à maintenir, à prendre leur temps, euh, en escomptant euh, que l'Occident euh, aille de plus en plus vers des, pro des problèmes extrêmement sérieux. Je viens encore de lire un article sur la situation européenne avec la catastrophe industrielle qui se prépare en, en Allemagne. C'est-à-dire que ça va être tout l'ensemble de l'Union européenne va être dans une situation qui économiquement va être difficilement supportable, avec bien évidemment les conséquences sociales. Est-ce que et puis il y a ce qui se passe aux États-Unis J'ai quand même qui bon, est dans une forme de guerre civile culturelle, et quand on oui. voit ce qui se passe autour de Trump, je veux dire, ils sont au bord de la dislocation. Alors ça peut ne pas se produire, mais euh, est-ce que les Russes spéculeraient sur le fait que euh, le temps jouerait pour eux Alors, déjà, euh, les chiffres liés à, à ce forum de cette année de Saint-Pétersbourg sont, sont impressionnants. 130 pays participent, 16 000 délégués. Ça veut dire que les deux tiers de la planète euh, sont intéressés à maintenir les meilleurs liens possibles avec la Russie. Ce qui veut dire que l'Occident se retrouve, mais il l'était déjà au début de l'opération sans s'en rendre compte, dans la position du chauffard qui s'est engagé en sens contraire sur l'autoroute et qui entend à la radio dire Attention, il y a un chauffard qui roule en sens contraire sur l'autoroute. Et il dit Mais non, non, il n'y a pas un chauffard, il y en a des milliers. C'est eux les chauffards. C'est exactement la position de l'Occident, c'est-à-dire que l'Occident est en <laughs> est train excellent, de. C'est ça. L'Occident est en train de s'isoler du reste du monde, mais complètement. Et, 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 et lorsqu'on voyage un peu, et je voyage, je voyage pas mal, en dehors de notre zone atlantique, euh, Atlantique, euh, plus Japon, Nouvelle-Zélande, Australie, la, la, le ressentiment à l'égard de l'Occident, qui est en train maintenant de se libérer, notamment en Afrique, c'est une, une vague tectonique. On ne se rend même pas compte de, de son ampleur. On, on ne se rend pas compte. Vous imaginez imagine le. Maintenant, euh, euh, cette dernière offense qui vient d'être faite au, au nom de je ne sais quelle sécurité à la délégation sud-africaine qui se rendait à Kiev et que les Polonais ont obligé, ont trié, là, ils ont fouillé des gens, ils ont même fouillé des journalistes, et ils n'ont ils pas laissé passer le personnel de sécurité et les journalistes qui accompagnaient le président sud-africain à Kiev. Pour une raison, évidemment, c'était sans doute hein, une instruction reçue de, de, de Washington. Pourquoi Pour que les journalistes euh, sud-africains ne puissent pas rendre compte de la situation eux-mêmes, qu'ils qu doivent se fier à des, à, des, à, des, à des communiqués occidentaux, et puis qu'évidemment, le, le chef d'État euh, euh, sud-africain se sente euh, en, un peu otage sans son propre personnel de sécurité dans cette ville. C'est une de nouveau, c'est une, 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 une gifle, c'est la meilleure manière de se faire des ennemis. Là où on avait un pays qui, qui s'efforçait, malgré son appartenance aux BRICS, d'être neutre face à ce conflit. Et, et, tout est, et tout est fait de la même manière par les Occidentaux. Donc, les Russes, qu'est-ce qu'ils qu qu regardent Ils regardent où sont les ressources, les ressources minières, les ressources euh, énergétiques. Les, 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 tous les paramètres économiques sont aujourd'hui, mis à part, mis à part la, la, la masse monétaire en circulation, mais qui est, on le sait, un, une abstraction, mais tous les paramètres économiques sont du côté de la Russie. Elle est autonome, elle est autarcique. On l'a même, même obligée à, 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 à euh, re, re, relocaliser son industrie automobile, son industrie aéronautique, etc. Bon, sa, sa perspective de croissance est réelle. En tout cas, elle est bien meilleure que celle des pays d'Occident. Et en plus, avec cette stratégie qu'ils ont adoptée depuis mars 2022 de se terrer dans les zones qu'ils tenaient en Ukraine, sans trop communiquer, sans redemontade et sans faire d'attaque euh, d'envergure euh, vers l'Ouest, en laissant venir les, les, les Ukrainiens avec les promesses totalement fallacieuses et, et, et fantasmatiques d'armes de, de mi miracles qui allaient changer le cours de, de la guerre, ils se sont mis en position, la position idéale, pour démilitariser non pas l'Ukraine, mais l'Occident en entier. L'OTAN en entier sera démilitarisé à l'issue de ce conflit s'il ne comprend pas où il va. Euh, Qu'est-ce qui qu reste des chars voilà, Mon pays, la Suisse, vient de céder à l'Allemagne une partie de ses chars léopards. Ces malheureux, ces minables allemands rachètent aux Suisses des chars léopards pour les renvoyer en, en Ukraine. Évidemment que si cette, si cette contre-offensive ukrainienne était aussi bien engagée... Qu'on nous l'a dit au début, euh, l'Ukraine n'aurait pas besoin d'art d'exiger de, de, encore des chars venant de, de, de Suisse. Donc tout va être aspiré dans ce trou noir. Tout, non seulement l'équipement, le, le, les, les armes, mais également tous les, les moyens, je veux dire, toute notre prospérité économique. La seule chose que je regrette, et c'est cruel à dire, mais c'est juste, la seule chose que je regrette, c'est que les États occidentaux ne payent pas le prix humain de la guerre qu'ils ont engagée par proxy en Ukraine. S'ils payaient le prix humain, comme le payent aujourd'hui les Ukrainiens, il y a longtemps qu'ils auraient arrêté. Et les, et les pauvres Ukrainiens, qui ne comprennent rien, il ne faut pas oublier qu'on euh, a interdit 11 partis d'opposition, on a fermé tous les médias euh, 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 sceptiques ou critiques. Donc, leur source d'information, c'est le pouvoir. On dit que, c est, c est, que les Russes sont, sont dans une dictature médiatique, mais il faut voir à, à quoi les Russes peuvent accéder et comment ils comment s'adressent ils, ils à, à leur. Comment ils critiquent le pouvoir. En Ukraine, il n'y a pas d'alternative. Donc, ces gens croient, enfin, croyaient jusqu'ici sincèrement qu'avec l'aide de la puissante Amérique et de ses alliés, ils allaient euh, casser la figure des Russes. C'est impossible de casser la figure de la Russie dans, son, dans sa, dans sa basse-cour. Ce n'est pas possible. C'était pas possible depuis le début, c'était évident. Et ils ont, été, ils ont été trompés, trompés, mais criminellement trompés, pour servir de chair à canon pour les ambitions de l'Occident qui ne paye pas le prix humain de ces, de, de, de ces aventures. Mais qui va peut-être le, le payer sur le plan social. Euh, ah. Bon, c est, c est, c est la responsabilité finalement la plus triviale, c'est celle du mensonge. C'est celle du mensonge qui a été qui a été fait aux Ukrainiens, qui a été dit euh, aux Ukrainiens, donné aux Ukrainiens. Hein. D'ailleurs, on peut se poser la question. Écoutez, vous avez vu les Afghans. Vous avez vu tout. Dans toute l'histoire, les Américains ont lâché ceux dont ils s'étaient servis. Dans toute l'histoire. Donc, ce sera pareil pour, euh, pour, euh, pour les Ukrainiens. Bien. Slobodan, merci beaucoup. Hein, merci à, merci que... à toi. Merci beaucoup. On va continuer euh, à faire ce, ce, ce travail de réinformation à donner d'autres points de vue. On est tous les deux euh, euh, des Européens. On vit en Occident. Euh, ce qui arrive à l'Occident ne nous fait pas plaisir. Oh mais non. malheureusement, malheureusement, il est aujourd'hui du mauvais côté de l'histoire et il est tout à fait possible que ça ne se passe pas très bien. On va essayer... Hélas. Euh... Et là, on va... à Ça ne nous empêchera de place, on pas va de continuer, de d'éviter l'ampleur de la catastrophe. Bon, et eh ben écoute, à très bientôt. Hein, à on bientôt. Va, on va couper, et puis je te dis.